Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui, je vais vous transmettre des messages pour la pleine lune. Pour votre pleine lune, donc c'est la pleine lune du 19, du vendredi 19 novembre. Et on va voir un petit peu ce que je peux vous transmettre. Alors comme toujours, c'est du général, vous prenez uniquement ce qui résonne au plus profond de vous. Je ne sais pas du tout sur quoi ça va porter, on va le découvrir ensemble. Je tenais à vous remercier pour votre présence, merci pour tous vos jolis commentaires, merci pour vos likes, pour vos partages, merci, merci pour tout. J'espère que vous vous portez bien, moi ça va. Alors on va prendre... Alors, attendez, je cherche ici. Alors je vais prendre le petit pochon avec les petites lunes. Donc c'est moi qui les réalise. Alors je vous montre une petite lune. Bon, je l'ai déjà utilisée. C'est les petites lunes, voilà, avec des petits messages derrière. Vu qu'on est, on va faire le message de la pleine lune. Comme ça, je vais vous transmettre des messages pour la pleine lune, pour votre pleine lune. Alors, je vais prendre au hasard. On va voir. Alors, c'est parti. Allez, 1, 2, on y retourne. Et 3. Bien. Et je vais vous transmettre les messages associés pour votre pleine lune. Alors, oh! J'ai tout fait tomber. Comme d'habitude. Hop là. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, on va découvrir donc les messages pour votre pleine lune. Donc, je vous montre la petite lune. La petite lune. Allez, c'est parti. Alors là, on vous dit que durant cette pleine lune, vous allez avoir des intuitions qui vont être renforcées, amplifiées. Vous pouvez aussi être un peu plus à fleur de peau. Si vous êtes déjà sensible ou hypersensible, ça peut s'intensifier. Si vous avez pas forcément ou une simple sensibilité, voilà, ça peut aussi jouer sur la sensibilité. Ça peut aussi jouer sur vos émotions. Ça peut jouer sur beaucoup de choses. En tout cas, il y a des intuitions aussi qui sont renforcées. Ça peut être aussi des rêves, des rêves. Des rêves à répétition, des rêves que vous allez faire de plus en plus dans cette période de pleine lune. Voilà, il y a des intuitions renforcées, donc il y a des. Pour moi, vous allez recevoir beaucoup de choses durant votre sommeil, mais ça peut être aussi la journée, hein, vos intuitions, voilà, c'est tout le temps. Voilà, allez, la deuxième petite lune. Alors, on vous dit que peut-être durant. Alors, soit aujourd'hui, parce que je fais la guidance aujourd'hui, soit le jour de la pleine lune, donc demain, le 19, on vous parle que peut-être que la nuit, en fait, va vous porter conseil. On vous dit de rester attentif durant votre nuit. Ouais, parce que pour moi, on va vous envoyer des messages. Donc, vos guides, l'univers, vos anges vont vous envoyer, vous transmettre énormément de messages. Alors, ça peut être... Ça peut être par les rêves, mais par les intuitions aussi. Mais vous pouvez faire aussi des rêves et avoir énormément de messages aussi que vous allez recevoir par vos intuitions. Et le troisième petit message. Alors, on vous dit de vous détendre. De vous détendre profondément. De vous détendre profondément avant de rejoindre le pays des rêves. Donc voilà, pour moi, vous allez recevoir quand même pas mal de choses hein, durant la nuit. Hein. Ça peut être, voilà, ça peut être des conseils, ça peut être... Après, ça peut être prémonitoire, mais comme ça peut ne pas être prémonitoire. Il y a, voilà, il y a différents types de rêves. Il peut y avoir des rêves de... Aussi, on peut faire des rêves, hein, des rêves ou des cauchemars de libération. Mais
Aussi, il peut y avoir des rêves prémonitoires. Mais tous les rêves ne sont pas prémonitoires. Non. Donc on vous recommande aussi de bien vous détendre, hein, de vous relaxer. Avant de rejoindre le pays des rêves. Bien, alors, ensuite, on va prendre un petit message. On va voir quels sont l'animal guide qui sera auprès de vous durant cette pleine lune, donc durant le 19-11. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit, hein, c'est général, vous prenez uniquement ce qui résonne au plus profond de vous. Il y en a deux, donc je vais vous transmettre les deux. Alors, on a la carte 6. On parle de, durant cette énergie de pleine lune, d'ambition. Peut-être que vous allez prendre une prise de risque aussi. On parle d'une élévation sociale mais aussi spirituelle. Et vous allez recevoir durant ces énergies de pleine lune une aide à vous lancer et aussi à vous lancer à relever des défis. Peu importe les domaines quels qu'ils soient, ça peut être un ou plusieurs domaines. Et on a là le deuxième animal guide qui sera auprès de vous, la carte 23 qui vous parle. Il va y avoir durant cette pleine lune de la générosité. L'humilité aussi. On vous recommande aussi d'être dans la générosité, dans l'humilité. Et dans l'équanimité. Vous pouvez aussi recevoir une aide à accepter peut-être le soutien. Et à vivre dans la réciprocité. Joli message. Hein. C'est beau. Hein. Alors, je vous transmets. Alors. Alors, attendez, hein, parce que je la mets ici. Parce que, comme c'est la pleine lune, je vais. je m'économise. Non. Non, mais je préfère. Voilà, vous la posez. Hein, vous la voyez bien comme ça, vous pouvez prendre toutes ces énergies. Alors, c'est la carte 6. La carte 6, alors, attendez, c'est la chèvre, regardez cette petite chèvre qui est magnifiquement belle. Elle est belle, hein? Alors, la chèvre. Alors, ça représente donc durant cette pleine lune, ce vendredi 19, on vous parle d'ambition. Pour moi, vous allez avoir une grande ambition, beaucoup d'audace. La témérité aussi, ça peut me parler aussi d'une élévation spirituelle, mais aussi matérielle. Elle incarne les challenges que la vie nous propose et que nous pouvons relever avec courage et alliant. Et allant. Alliant. et allant. deux, par son étonnante faculté à grimper dans les endroits les plus improbables. Donc oui, la chèvre a deux étonnantes facultés de grimper dans les endroits les plus improbables. Bon, c'est peut-être vous, hein, la chèvre. Les Amérindiens voyaient en elle le symbole de l'équilibre, mais aussi de l'envie d'aller plus haut et plus loin malgré les dangers apparents. Donc voilà, peut-être que vous allez vous être appelé durant cette pleine lune. Vous allez avoir l'envie d'aller plus haut, plus loin, malgré les dangers apparents. Lors de la méditation, il lui demandait de leur montrer leur prochain défi de vie. Car chèvre ne perd jamais de vue ce qu'elle vise. Donc, durant cette pleine lune, on vous dit de ne jamais perdre de vue ce que vous visez. Et chèvre, en fait, vise toujours très haut, sans se laisser décourager par les difficultés ou la rivalité. Donc, ne vous laissez pas décourager durant ces énergies de pleine lune, par les difficultés, mais aussi par la rivalité. On vous dit que se connecter à sa médecine, c'est recevoir la motivation. Donc la petite chèvre va vous apporter de la motivation. Vous allez recevoir énormément de motivation durant ces énergies de pleine lune, d'avancer dans la vie
De manière très incarnée, avec les énergies de la matière. Donc, c'est l'argent, la sexualité, le pouvoir, mais toujours dans une visée spirituelle. Chèvre nous donne le courage de prendre des risques. Donc, elle va vous donner du courage de prendre des risques, d'aller sur des peut-être des sentiers escarpés, où le commun des mortels ne se risquerait pas et d'avoir l'entêtement nécessaire à la réalisation de nos buts. Donc, on vous dit, durant ces énergies de pleine lune, de ne pas vous laisser décourager par les difficultés, de viser toujours très haut, ne vous laissez pas décourager par les difficultés ni par la rivalité, et ayez de l'entêtement. Soyez entêté pour la réalisation de vos buts. Alors, votre guide chèvre vous invite à vous fixer des objectifs plus ambitieux. Donc, durant ces énergies de pleine lune, soyez plus ambitieux liés à vos objectifs, à vouloir mieux que ce que vous avez actuellement. Il faut viser plus haut. Plus haut. J'ai ma voix en même temps qui déraille. Visez plus haut. On vous dit sans peur de vous casser la figure. Sans peur aucune de vous casser la figure. Si l'entreprise vous paraît périlleuse, n'ayez crainte, car chèvre vous aidera à trouver votre équilibre sur ce chemin escarpé. Donc la chèvre est là pour vous aider à trouver votre équilibre sur ce chemin escarpé. Alors on vous dit un challenge s'offre à vous. On vous dit surtout ne reculez pas, préparez-vous à bondir sur cette occasion. Ne perdez pas de vue votre but individuel. Il y a dans ce que vous vivez une occasion de vous élever à plusieurs niveaux. Soyez téméraire et intrépide, c'est le plus sûr moyen d'aller plus loin. Et il y a une petite citation de Wolfgang von Goethe. Je vous le mets hein, ici, attendez. Voilà. Wolfgang von Goethe. Quoi que tu rêves, alors vous pouvez la faire en capture d'écran si vous voulez, hein. Je la mets ici. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Donc on vous dit que si vous avez de l'audace, vous aurez du génie, du pouvoir, mais aussi de la magie. Magnifique, très beau. Ensuite, deuxième petit message. C'est la carte 23. Alors, 23, 23. C'est le pélican. C'est le petit pélican qui sera auprès de vous durant ces énergies de pleine lune. Alors, pélican, ça représente le dévouement. Donc, peut-être que vous allez être dévoué. Ça parle de générosité. Donc, peut-être que vous allez être généreux. Voilà, on vous recommande durant cette pleine lune d'être généreux les uns avec les autres. Ça peut être généreux, voilà, dans diverses situations. On vous parle aussi peut-être d'être dans le dévouement, un peu plus dans le dévouement, d'être un peu plus dans le dévouement, ou être dévoué tout simplement. On parle aussi d'abnégation, de réciprocité, le soutien des intéressés. Et l'insubmersibilité. Alors là, c'est le mot. Pour les énergies de la pleine lune, c'est parfait. Alors, le soutien désintéressé et l'insubmersibilité. Donc, insubmersibilité. Alors, d'une grande maladresse sur le sol, Pélican se révèle agile. Donc là, durant ces énergies de pleine lune, peut-être que vous êtes doté d'une grande maladresse. Mais vous vous révélez en fait, peut-être dans cette grande maladresse, vous vous révélez quand même agile, peut-être adroit aussi et précis en vol, et très à l'aise sur l'eau, comme le pélican. Les autochtones y voyaient là une habileté dans les mondes de l'esprit et des émotions. Cet animal grégaire. Par excellence, incarne des valeurs d'entraide. Donc là, durant ces énergies de pleine lune, il va y avoir des valeurs d'entraide, mais aussi de sacrifice pour autrui. Alors, invoquer Pélican, c'est faire appel au soutien du clan, à la force de l'union et du nombre.
Dans la médecine de Pélican, l'égalité remplace l'ego et la revendication individuelle n'existe pas. Il symbolise une communauté équanime, faite de partage, d'entente supérieure, de charité et de réciprocité. Alors, ses plumes sont constituées de telle manière que sur l'eau, Pélican flotte et ne peut couler. Donc voilà, vous êtes comme Pélican, vous allez vous déguiser, ou alors vous êtes comme... vous allez vous déguiser en Pélican, durant ces énergies de pleine lune. Vous flottez et vous ne pouvez pas couler. Vous êtes insubmersible. Voilà. La plume étant un symbole de spiritualité, cela signifie que l'élévation spirituelle combat les émotions négatives qui pourraient nous engloutir. Pélican peut aussi ainsi plonger au cœur de lui-même, affronter ses tempêtes intérieures, sans peur de sombrer, et remonter à la surface, libéré des tourments de l'existence. Votre guide Pélican vous rappelle que l'union fait la force. Donc, durant ces énergies de pleine lune, on vous dit que l'union fait la force. Actuellement, vous ne pouvez avancer en solitaire, donc vous ne pouvez peut-être pas avancer en solitaire. On vous dit que rien ne sert de vous débattre dans votre coin, vous ne ferez qu'aggraver votre état. Il faut parfois du courage pour accepter que l'on a besoin d'assistance. L'univers ne demande qu'à vous apporter son soutien, il suffit que vous soyez prêt à accueillir les aides qu'il vous envoie. Donc soyez peut-être prêt à accueillir les aides de l'univers qu'on va vous envoyer sur votre route durant ces énergies de pleine lune. Mettez votre ego de côté, rappelez-vous ceci, vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Quelles que soient les épreuves que vous traversez, les difficultés que vous rencontrez, vous serez en capacité de les surmonter. Pélican vous délivre le secret de la véritable générosité. Aujourd'hui, vous recevez, demain, vous donnerez. Voilà, donc voilà. Voilà, peut-être que vous allez recevoir durant cette pleine lune. Ça peut être un soutien, ça peut être une aide. Vous allez accueillir l'aide en fait que l'univers vous envoie. Donc vous allez recevoir, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Peut-être que vous allez recevoir, mais c'est pour après le donner. Le donner d'une manière différente. On vous dit sans attente et sans jugement. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Ensemble, tout est possible. Voilà. Bien. Ok. Alors, je vais vous transmettre un message que j'ai canalisé pour vous, pour cette pleine lune. Alors, je vous rapproche. Attendez, je mets le Monsieur Pélican. Monsieur Pélican. Alors, pleine lune. Alors, on me parle peut-être d'une personne qui va ressentir quelque chose de très intense. Ça peut être pour une autre personne. Pour moi, on ressent une puissance. Ça peut être une puissance venue de nulle part, peut-être une puissante attirance. Et pour moi, c'est très très fort. On peut rester très très en retrait. Et peut-être ne pas, pas dévoiler, ne pas dire ses sentiments ou ses émotions. Et pour moi, en fait, vous avez une place très particulière dans la vie et dans le cœur de cette personne. Deuxième petit message. On me parle d'une personne qui doit peut-être impérativement se détendre, se relaxer. Parce qu'en fait, même si, on vous dit que même si tout est figé actuellement autour de vous, il va y avoir de très bonnes nouvelles qui vont arriver. Et pour moi, ça va arriver à vous en accélération. Ça peut jaillir en fait un peu de nulle part. Ça peut être dans votre vie professionnelle. Et ça peut être après une énorme, peut-être une énorme perte. Et pour moi, en fait, vous allez avoir un déblocage, n'importe quoi.
Alors, ça peut être un déblocage très puissant, hein. On vous prévient, ça peut être très puissant. Ça peut être très puissant. Et... Attendez. Ça peut être très puissant. On vous dit aussi que vous... voilà, ne lâchez rien. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous transmettre. Bien. Ensuite, on va prendre un petit message avec ce magnifique oracle. Celui-ci. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit message pour la pleine lune? Alors ici, je peux avoir une personne qui a pu faire de longues études. Peut-être. Vous êtes peut-être actuellement... Vous avez un contrat, ça peut être un CDD, ça peut être un temps partiel ou un temps plein, mais pour moi, c'est plus un temps partiel. Vous êtes en CDD pour moi. Et pour moi, en fait, dans ces énergies de pleine lune... C'est comme si vous aviez l'envie de franchir un cap et en fait peut-être en plus de ce contrat en fait de franchir un cap, une étape, c'est lié à votre destinée et ça peut être pour moi un projet qui peut être dans la solidarité. Vous pouvez avoir de fortes intuitions, être clairvoyant, clairaudient, médium. Et c'est comme si vous sentiez quelque chose qui vous appelle, hein, au plus profond de vous. Hein, c'est très très fort. Et on vous dit, durant ces énergies de pleine lune, en fait, vous allez peut-être encore plus sentir que c'est le moment, en fait, de vous actionner. Vous allez sentir... C'est comme si vous vous sentiez vraiment poussé. Ça peut être... Ça peut être un projet dans la solidarité. Ça peut être lié à la justice ou à l'équilibre ou défendre certaines choses. Ça peut être voilà. Mais en tout cas, on vous dit dans ces énergies de pleine lune d'être en pleine insouciance liée à tout ça. Même liée à votre à cette deuxième, à cette seconde profession que vous allez mettre en place. De vous actionner vers votre destinée. Et jouer un équilibre. Hein. Vous allez avoir un équilibre en exerçant tout ça, en actionnant tout ça. Et cet équilibre, en fait, ça va apporter aussi de l'équilibre. Hein. Peut-être vous allez apporter aussi de l'insouciance, peut-être redonner sourire, de l'énergie aux personnes, de la joie, des sourires, du positif. On vous dit de bien lâcher vos résistances et de vous actionner lié à ce projet dans la solidarité. Ça peut être du bénévolat aussi, hein, ou de rejoindre une association. On peut être un homme. Comme si vous étiez, vous allez vous sentir appelé en fait.
Voilà. Voilà tout ce que je devais vous transmettre. C'était un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. Je vous souhaite une très très belle journée de pleine lune. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Plein de belles choses. Et voilà. Donc de ne rien lâcher, surtout durant voilà, cette pleine lune. C'est ce qu'on a eu comme message tout à l'heure. De ne rien lâcher. Voilà. De ne rien lâcher. C'est tout ce que je voulais vous dire ou pas. Ouais, je vous souhaite une très très bonne pleine lune. Qu'elle vous apporte de très jolies choses. Et voilà. Et même si c'est compliqué, de ne rien lâcher. Voilà. Voilà tout ce que je devais vous transmettre. C'est un réel plaisir pour moi. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien bien soin de vous. Et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages. Guidances, messages, vidéo. À bientôt.